On a bien les alliés naturels. Parce que Kabila n'a pas fallu qu'il y ait un peu de temps. Ce qui il faut le savoir. Moi, je l'ai prédit dans le bagage au cas là. Parce que Fayolo avait dit, Félix, il a tendu ma main, oh, Nako Simba, le Boko la salité, Nako Kanakana et Kakatan va se séparer dans Kabila. Donc Félix, Kabila, il a vendu, Fayolo a vendu, il 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 a se séparer. Au commis porte-parole, il a vendu. Non, si vous avez fait un photo, il a Kabila, il a Félix, il a regardé. Avant de voilà. La récupération de l'aéroport Rwanda Yabogo, ce n'est pas un fait de hasard. Parce que ça fait 18 ans. C'est par là qu'il va minérer ce qui va jouer. Il n'a aucun kilo d'or. Il y a coltan. Mais Abimaki, meilleur producteur à coltan. Il peut nous dire. Banzembo n'a pas danse. Mais Bemba a compris avant. Baye Babini, Kalisi Bemba a compris avant. Jean-Pierre Abissi, oh, il dit bon. Tout ça, la politique, tout le monde est comme ça. Ce qui est bon, il dit bon. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Admettons que le président de la République, Makiné, le Basalaki, oh, le président élu. Fayoulou avec son petit parti mallette là à côté des Manaï de Bête. Bonjour, président Titi. Bonjour, Devogui. Présent Titi, ben voilà le partout dans Congo Live Télévision, copier Baron Beauté. Eh bien, des bons amis sur bah internet à travers le monde. La pessimine Baron Beauté et puis Nakanisi, Makamoto, Lubela Lelo. Ce qui va remarquer vos ala, tout bah suggestion. Nous sommes disposés à pouvoir les accepter. De bonne foi d'ailleurs, nous ne venons pas faire la politique. Oh, là, l'inandaku, Rémi Bandembo, vous composez, tu passes à la télé pour raconter des bobards. Nous, quand les choses ne marchent pas, on essaie de les dire. Quand ça marche, et nous les disons. C'est ça être politique. Politique, tu ne passes pas à la télé. Pour le roi du n'importe comment, pour le reste, nous sommes disposés à pouvoir. Répondre à toutes les questions qui nous seront posées à l'issue de, au cours de cette émission. Merci beaucoup, président Titi. Ligne Makambebele, mais maintenant, on se voit sur la Gouba, tant de week-end. Maintenant, on se voit, président Titi. Non, mais si ça ne dépendait que de moi, je ne m'attaque pas personnellement, mais je pense si ça ne dépendait que de moi, Fayoulou allait être le meilleur chanteur de. Les trois années passées, parce que non seulement il dansait, il chantait aussi bien, quand bien même il a relayé cela, il a donné cela à ses chambellans, un petit garçon de course à Tindaka. Et nous, on disait que c'est l'un des vendeurs de vent chez les Congolais. Et je pense que Touriki peut qu'on démontrer à vous, la émission que la plupart des habitants ont été vendus au Sala. Non, moi. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. La lobby n'a bino qui est le meilleur danseur. Oui, à l'ingénieur, ça va prendre un musicien parce qu'il y a Tiki Makamba politique à Kende Okotashko, on a ma danse, on a ma Ndembo, on a les gars. Apparemment, on a un problème particulier à Martin Fayoulou. Je n'ai pas cité un son nom, c'est vous qui l'avez cité. Même si c'est de lui qu'il s'agit. Mais il a évité qu'il n'ait pas ça, il y a deux années, vraiment, il dansait beaucoup. Et puis, Ndembo, on a la plupart des chansons qu'il a composées. Il m'a ma meilleure chanson, mais c'est pour un temps. Ah, ta campagne est bien. Non, moi je parle d'après la campagne, parce que avant et pendant la campagne, il y avait des gens. Vous reconnaissez que ta campagne très bien. Mais la finalité, c'était quoi? Dans la vie, Moutounio soit vivra quand? Vous détournez pour voir Naé. Je dis, dans la vie, toute personne a un objectif. Mais objectif est dans la finalité. Donc ça veut dire quoi? Comme on a Moutoua, il y a une classe trop. Il y a une commission au commissariat. Mais à quoi m'a rappelé Tchikite? Il y en a ici. Mais sauf qu'il y a, il s'est fait inscrit. Donc là, c'est question, il y a volonté, la détermination. Et puis la finalité dans toute chose. Ce que tu fais, aboutissement, il y a Elo Bezalarani. D'accord? Alors, c'est par là, dans Mané Koloba, on ne peut parler de lui avant et pendant la campagne. Maintenant, après la campagne, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? C'est la finalité.
Et il s'était trompé d'adversaire. Fatshi Béton, ce n'est pas n'importe qui. Il faut vraiment, Olia Otonda, Fatshi n'est pas Joseph Kabila. D'abord, un, pour avoir été avec eux quelque part, des deux, l'IDPS, c'est la machine mais politique. Mais Fatshi, il y a des compétences. Il y a mon amour à Martin. Combien de personnes sont... Il y a un bien un soldat du peuple, mais il le loue. Ça n'a rien à voir avec la compétence. Combien de personnes sont... C'est un vrai combattant. Combattant de la rue. Combattant de la rue, ne travaille pas. Qui t'a dit que Fayrou dépasse tous les gens qui ont étudié? Nous, ici, nous sommes venus l'accompagner en politique. Et vous pensez à ça? Et qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire qui ne se trouve pas dans les dictionnaires pour qu'il soit traité, considéré comme étant incompétent par rapport à qui? Il faut essayer de faire la part des choses. Nous, on a étudié, nous avons nos deux pieds sur terre. Si peut-être pour les juristes, le droit, c'est leur tasse de thé, mais nous, la communication, c'est notre tasse de café. Merci beaucoup, Président Tichy. Tout ça, on a intérêt, Martin Fayrou, tout ce que vous êtes dans le monde. Tout ce que vous avez l'objet dimanche, sans que vous avez l'objet de la vie, c'est revenu quand vous avez été au courant, vous avez l'objet de la vie, vous avez l'objet de la vie, vous avez l'objet de la vie. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Voilà, ça ne peut que me faire du mal. Et j'ai appris que ma fille, ma carabinée, c'est là, chose qui n'est pas permise. Donc, quand vous voyez les Congolais, c'est quand les malheurs arrivent, et puis vous dites, oh, bah, on dit, bah, t'as les labissos. Mais il y a tout manque de compétences, il y a. Ça passe que poser une question. Je crois, le président est passé. Et il a donné des injonctions pour qu'on mette fin. Il y a eu Babalinaire, Moussoussou et Koyaka. Mais on a pris des mesures. Maintenant, là, ce sont les responsables. Il y a des services aux états compétents qui sont censés commettre l'ordre, côté la norme, tout ce qui est recommandé pour que Moutoumoko, par exemple, un individu, assomine ceux qui bâtonnent, assomine ceux qui piroguent, assomine ceux qui nini. Que cette personne puisse se conformer à la norme Oyo, ils ont préétabli, Oyo, ils ont censé être respecté. D'abord, il y a eu surcharge, premier élément. Deuxième élément, et ni on les a que contenir, ni il y a pas carburant. C'est pas différent de ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a quelques jours ici, pas plus tard que, parce que l'Oyo Tozagin avant-hier, il y a eu Balobi, oh, Bougoumès, c'est ceux qui sont à Kinshasa, Bateki, ceux qui sont à Pi, Mundele, Mongo, Lingasa. Non, non, on casse partout. Parce que non seulement les Congolais, oui, on sait que c'est que comme, oh, Bopé, si va tout Moussa, la tête, Moussa, mais écoutez, les choses ne vont pas se faire par coup de baguette magique. Les choses doivent se faire normalement. Lentement, sérieusement. Ça va se faire progressivement. Mais quand les Congolais, quand même, ils en manquent, prenons les cas, Bato Bazan, on va mettre tout. Je vais revenir sur votre question. Bato Bazar Mamitouk. La plupart des mécaniciens que nous appelons des mécaniciens ambulants, dont Maro Batambola va dans la garage, Bazu Mamitouk à Batou, ils ne sont pas à mesure peut-être de réparer ou ils réparent, Batia on a mis tout. Dans l'entretemps, va rétrécir le voie ou la route. Vous voyez ce que ça fait. Pas toujours des grandes haltères. Et ça fait la bandera et à Mickey Mickey. On a mis Mininga là, on a mis français Ming. Non, excusez-moi, il n'y a pas de mélanger. Donc, bandera et à Miné Neto et à Mickey. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où il y a les facilités, c'est à la base, il y a un embouteillage, il y a un peu de déploré. Mais au moment où il y a un peu de balabala, à parquer Moutouka, ou bien il y a un peu de koufi à Tikiwana, dans l'entretemps, il y a un peu de balabala. Ils sont obligés à ça là-bas dévier, tant qu'on va le dévier, ça crée des embouteillages, tout ça, ça retombe sur les gouvernements. Mais on ne dit pas qu'on peut encourager ça. Nous demandons aux gouvernants de pouvoir prendre les choses en main, faire de telle sorte que la situation est ici là. Et dans l'entretemps, moi, je demanderais que les gouvernements prennent les choses en main, que les gens qui ont permis que Niniwana, Babimana, Kardian, avec Nakamwa sur charge, que ces gens-là répondent de leurs actes et qu'ils soient sanctionnés. Au lieu comme un moment où ils bougent, ben marchandises là bas, là c'est l'État qui cause à 6 000 ans de fils qui atteint à 2% et bien là bas, on te va appeler moi un peu ma rémunérée mon côté. Bon, on peut voir. Hein. Vous savez, avec nos amis que j'appelle nos amis des manifestations moyennant quelque chose, les anciens.
ayant droit de la République, l'FCC, Kabila et ses amis, ils nous ont laissé une bombe à retardement. Tout est priorité dans ces pays. Alors, même quelque part, le président Azako s'attelait de telle sorte que tu essaies de redresser l'homme congolais. Parce que dans tout ça, il y a des Congolais qui, des fois, Bazako outrepassé, banine oyo, et les choses les plus simples, oh, bah, ça, là-bas, c'est adapté. Bokei, boibike, on a interdit surcharge. Bah, interdit, bah, tiens, bah, carburant. Mais on vous met là-dedans. Et vous ne vous plaignez pas, vous vous contentez. Maintenant, les pires arrivent, et comme il y a au gouvernement, mais le gouvernement, écoutez, des fois aussi, il faut assumer, il faut assumer ses responsabilités. Hein? Est-ce qu'on va quitter, on va interdire la surcharge, ou bien, qu'est-ce que je voulais dire, qu'on va carburant, c'est un peu ça. Bon, si le gouvernement peut voir, c'est pourquoi je voulais vous dire, les ayants droit de la République, les anciens ayants droit, parce que par exemple, la carte prépayée, vous verrez, qu'on s'en la bassine à Bango, au moment où il y a eu le GB, c'était les quartiers les plus sollicités depuis Bakenda. Moi, je vais vous dire qu'il y a des prix. C'est parce que ces gens-là étaient habitués à faire dans Tongo, à Bengi Dejo, à Tineri Mbongo, à Tineri 8e bureau, 50e bureau, ainsi de suite. Heureusement, Fatia Yvesen, moi, je suis venu pour déboulonner ce système. Et nous y allons doucement et on va en finir. Merci beaucoup, Président Tshitshi. Tout le monde est monsieur Osaki, mon retour de Awa, mon bain à cérémonie, c'est au Salama Awa, la révision encore à Addis Abeba. Je suis comme ça, je suis un bon sommet, je suis un bon sommet. Après, comme on a un banda RDC, ça fait plus ou moins 20 ans. Je suis comme on a un cambo à boîte, mais pas qu'à fatigue quand même. Je suis comme on a un salaire qui est un bon sommet. Ah, heureusement, lobby, quand même, ce n'est pas 20 ans. L'accord de d'Addis Abeba a été signé il y a 10 ans. Il a signé rien. C'était dû à quoi? Parce que la RDC était agressée par. C'est les pays voisins, entre autres à sa tête les Rwanda, Burundi, Ouganda, et les autres pays autoponétraki, Ouganda, Angola, Congo-Brazza et tant d'autres. Le Congo-Brazza, c'était dû à un refoulement, à un on ne peut pas dire que les Rwanda, c'était vraiment approuvé noir sur blanc. Ouganda et tant d'autres. Mais quand on a vu cela, quand bien même aujourd'hui, ça me fait rire, quand j'ai entendu Fayoulou et Mouzito dire que cet accord est déséquilibré. Mouzito et Fayoulou, c'est maintenant qu'ils comprennent. Donc, ou ils ne lisent jamais, ils ne suivent rien. Depuis tout ce temps. Parce que là, quand il y a Fatih, il y a un débat déséquilibré. Et ce n'est pas Fatih qui a fait signer ces accords. À l'époque, c'était Joseph Kabila qui était là avec ses amis. Bah, signer qui accord. Pour, oui, non, il y a plusieurs banini bazouaki, nakati à Corwana, il fallait qu'il y ait ben une ingérence en affaires intérieures, et va ben, agresser Mboka Moussoussou, ou Ezana, il y a un grand lac. Ça, les maquins ont dit ça. Mais du moins, dans les zones où il y a un peu de baki, il y a un peu de baki, il y a un peu de baki, il y a Joseph Kabila à Kei, c'est le 10e sommet. En aucune fois ça s'est tenu. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que Balouba qui n'a dit que le président Félix, quand j'ai suivi les Fayoulistes, oh, il a mal travaillé comme président de l'Union africaine. Mais papa, est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui échoue à l'école, va payer un cadeau? C'est en sérieux quand même. À quoi on joue là? Et c'est pour toute l'histoire, je crois, de l'Afrique. Hein? Quelqu'un qui vient de passer comme chef de l'État, directement deuxième vice-président de l'Union africaine, premier vice-président, président de l'Union africaine. Non, mais écoutez, vous pensez que c'est un fait de hasard? C'est la tête, c'est la diplomatie. Mais il y a un peu de temps. Non, c'est fait à distraire hier, Girabio, Mbogo. Si on a dit ça, lorsque Fatih a prêté serment, il n'y a qu'un seul chef d'État qui était venu, n'est-ce pas? Tout le monde a dit combien? N'appelle ça exemple. Nous sommes 4 et nous sommes 5. Bino 4 et Boatakengai. Tosololi, Tosololi.
Prochainement, yo moko yete mes trois wana baye. Na koloba na échoué pour convaincre Bango, ton a réussi pour convaincre Bango. Parce que les pays qui étaient cités, il y avait les Rwandais. Mais les Rwandais, quand même, il a envoyé son premier ministre. Non, le Tikana répondre quand même, il faut na éclairer, quand même, éclairer bah, Imboka. Donc, c'est la diplomatie agissante. On a vu les oiseaux de mauvais augure, les alliés naturels. On a bien gagné les alliés naturels. Parce que Kabila n'a pas fait le bakoumé, le bakoumé, ceux qui voulaient bagater, il faut le savoir. Moi, je l'ai prédit dans le bakoumé au cas là. Parce que Fayolo avait dit, Nako Kanakana Ndeko Félix, il a tendu ma main, oh, Nako Simba, le Boko la salité, Nako Kanakana et Kakatan, on va se séparer dans Kabila. Donc, Félix, Kabila, il y a Fayolo avant d'aller là. Facha Lobimbo, Akadisi Ndeko, Ndeko Nangai, Ngai Namuto, tout se séparer. Au commis porte-parole, Nai. Non, si vous voulez faire dans Ngai, na Kabila, na Félix, regardez. Avant d'aller, mais voilà. Je vous demande de vous savoir. Mais Nako Zong est là, comme vous. Balobi, oh, président de la République, à Sala qui va voyager belé. Voilà les résultats des voyages. Bino, depuis tout ça, dans beaucoup, mon président turc ailleurs. Kabila était au pouvoir. Sommet en haut. Et il y a Salemi. Il y a combien moi, il y a notamment d'autres qui étaient empêchés, Batini, après le ministre, mais personnellement, Kagame. On sait pourquoi il n'est pas venu. Parce qu'il est couvert. À Kenya, Sénégal, il n'est pas Macky Sall. Merci d'ailleurs. On n'a pas besoin en diplomatie. Kagame est isolé diplomatiquement. Et c'est ce que vous comprenez. Moi, j'ai fait les journalistes de politique extérieure. Après un temps, la politique du monde change. Et Kagame, s'il ne comprend pas, il connaîtra l'essor de Mobutu. Parce que Mobutu devait comprendre lorsque le mur de Berlin est tombé. Kagame doit comprendre maintenant que l'appui qu'il avait des Occidentaux a été soutenu. Mais il y a dans la euphorie, na, et il continue. Et gardez l'heure et le jour de ce que je vous dis aujourd'hui. Si Kagame ne tire pas d'attention, il verra la conséquence. Il y a un acte. Papa, et puis Kagame, en haut, il n'est pas venu. Tout le monde est allé à haut. Kagame a saboté l'invitation, tout ça. Mais il ne fallait pas qu'il envoie. Il y a un stade. Ouais, mais pourquoi il n'a pas envoyé, il a envoyé son premier ministre? Non, le problème c'est quoi? Bon, tu vas prendre qu'il a perdu 40%, il va marcher, il va dire. Parce que Fatih a serré. On avait parlé avec vous la fois dernière. La récupération de l'aéroport Rwanda à Bogo, ce n'est pas un fait de hasard. Parce que ça fait 18 ans. C'est par là qu'il va minérer ce qui va jouer. Il n'a aucun kilo d'or. Il y en a, il y a coltan. Mais Abimaki, meilleur producteur à coltan. Il peut nous expliquer ça. À Tongisi, il y a la raffinerie, il y a la matière. Mais le problème, c'est quoi? Maintenant, ce que je voulais donner comme réponse. Est-ce que chaque fois que Kagame est entré au Congo, il nous disait? Il ne nous a jamais dit. Et ça, mais je vais me préparer. C'est pour vous dire que Mais puis si tu veux aller voler chez quelqu'un, tu vas dire, je viens voler. Non, mais écoutez, on doit arrêter ces bobards. Hein. Kagame est en train de distraire les gens. Parce que bien avant ça, il avait parlé à Boyaka Makambo. Il n'y a jamais eu agression. Et les Rwandais n'ont jamais entré, les Rwandais ne se sont jamais introduits en République démocratique du Congo. Après quelques jours, Fatia Fandana est calme. Après quelques jours, il est passé pour faire des démentis. C'est la haute politique. C'est la diplomatie de Fatia. Non, je ne parlerai plus de ça. Et donc, il a fait ce qu'on a fait, les rétro-pédalages. C'est pour vous dire que Kagame, il peut parler, hein, il peut pérorer comme il veut, nous on avance. Merci beaucoup, mon Mboka. Tout compte dans le dossier à arriver à qui s'était prévu. Le 6 est arrivé à Roi Belge, Roi Philippe. Mais de ce qu'on a assez qu'on reporté, ouais, je n'ai rien dans l'intérieur, mais tout le monde diplomatie, mon site est simbi, hein. Mais, qu'est-ce que mon site de Belgique? Mon site, tout d'abord, diplomatie réussi. Mon site a été reçu par qui? Il est passé où? Mon site où? Oui. Écoutez, il est en Belgique. Vous savez, il y a d'autres. Tant vous informez de mon site. Mais il peut être en Belgique à quelque chose à tourisme avec l'argent qu'il a volé ici. Bon, c'est ça, la diplomatie, moi, bien. Où? Où? La diplomatie, c'est fait avec. Roi Philippe, bon, on a un royal. Ok.
Évitant au Fatia qui n'a pas États-Unis. On a envoyé notre frère ici, Peigné, raconter des cinémas à la télé pour dire que Fatia n'a pas été reçu par Biden. Mais au moment où Biden a Simba Fatia, c'est que comme Fatia n'a pas été Biden qui a Simba. Ils doivent arrêter d'aider avec des chansons. Mouzito, diplomatie, Mouzito a coûté la gouvernement. Il est rentré par quelle porte? Il a été reçu par qui? Mais à côté d'un gouvernement belge, quand même, des autorités belges. Ah bon? Ah, mais oui. Mais tu vois, la réalité, au moment où le Premier ministre, il a été représenté le chef de l'État. Mais l'annonce là, ce qu'ils l'ont fait, ce qu'ils l'ont dit, pardon, c'est Mouzito, c'est qui? À qui va vivre vraiment Boyaté? Mais il devait commencer par le faire lorsque Mouzito était Premier ministre de Joseph Kabila Babomi Sebeya dans ce pays, parce que Sebeya Babando vous préparait un rapport à Kobesa Narua. Kabila. Concernant les Bundu de Congo qu'on a tué par John Numbi, envoyé par Joseph Kabila. Pendant qu'il était même au pouvoir, si Mouzito était sérieux, il pouvait le faire. À foutre pas un Mouzito qui ne sait pas où entrer aujourd'hui, par où sortir. Mouzito là peut faire un meeting aujourd'hui à Sali 3000 personnes, comme tu le vois là. D'abord ici, lorsque le ministre des Affaires étrangères, premier, je ne sais pas, ministre, il y a des canaux par lesquels on peut, nous on ne peut pas vous recevoir. Bah, on n'a pas failli, on va à Kabila, on n'a pas failli. Shadari, Mouzito, on a failli. Ici à Kinshasa. Si quoi, Mouzito a qui est au salaire de tourisme, n'a pas de poto, allez, bon, il y a un Congolais. Vous voulez dire, Mouzito, quelle diplomatie Mouzito est allé faire? Ceux qui roi des Belges, votre colonie misère, il y a un communiqué officiel. C'est dû au fait que il y a Makambo Oeza pour les Canadiens en Ukraine. C'est pourquoi, bah, reporter envoie une date ultérieure, mais nous voyons déjà, il y a des évolutions qui vont sur terrain, qui vont se faire. Ce qui est Salemi, aujourd'hui nous sommes les 20e. Le 28, non? Le 29, hein? Alors, ce qui est Salemi dans. Peut-être c'est possible, mais Baloubé Okiko va reporter en haut. Mais c'était prévu. Mouzito dit. Mais écoutez, arrêtez un peu de. Yakolinga, vous commissez à l'Igorodo, vous commissez à Komatalo, moi, Nyoka. Mouzito, t'as foutu, nous allons aller dans la boca Titi. Mouzito l'a fait? Oui. Non, non. C'est vrai que moi, quand effacement, il y a dette, c'était arrivé comment? On va vous expliquer, papa. Attends, mais quand même. Et Mouzito n'a jamais pris 10 milliards. Je vais éclairer l'opinion aujourd'hui. On m'a dit pourquoi le chef d'État est belé africain, bah, qui manque pas le chinois. C'est parce qu'avec les Occidentaux, il y a eu un système. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez un milliard. Mais ma copine, ça y a date, il y a échéancier, il faut foutre un bon. Ce qui est l'équipe, au commun de la pénalité, c'est ce qui a fait que comme les autres pour s'accroître, ne va comme ça qu'il a 10 milliards. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils se sont convenus? Bah, pour nous montrer que vous êtes sérieux, Bozana Nyongo y a autant. Ce que vous vendez au foot, par exemple, n'est-ce que Bozana Nyongo a 10 milliards. Ce que vous vendez au foot a des fils que 50 millions chaque mois, ou bien après 2 mois, selon convenance, n'est-ce que vous voyez au Canada. Ce que vous commissez à niveau, vous commissez des paquets Mouzito à Sinsaki Nyongo. Bah, il s'agit dans autant de temps, ce que vous foutez en haut. Bon, heureusement, à un moment, il a pu respecter, pour moi, respecter qui? Moi, échéancier, voilà. C'est pourquoi, bah, ça là qui effacement. Ça n'a rien à dire, il y a Mouzito a fait. Mais vous avez entendu dans ces pays, moi je ne peux pas entrer dans des considérations personnelles. On a suivi les gens qui ont fait des bruits dernièrement parce que l'enfant du président, qui n'a jet, a parlé à payer 5 000 dollars. Mais qui ne connaissait pas les Tom Mouzito et les autres qui chantaient, Babando Kangababara, on avait champagne dans ces pays. Mouzito était président de la République? Non, écoutez, il ne faut pas dire qu'on distingue. Va te mettre à comprendre ici, Koyo. Hein? Bandembo n'a pas danse. Mais Bemba, à comprendre avant, Baye Babini, Baye Kalisi Bemba, Jean-Pierre Bissi, Bonico, tout ça la politique, tout le monde est comme ça. Ce qui est Bobina, Bobina, Rabino Moko. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Admettons que le président de la République, ou Makine, le Basaraki, oh, le président élu, dit, écoutez, Fayoulou avec son petit parti mallette là, à côté de Manaï de Fès. Ni Tete, Babemba, Manani, Bapé, ça qui est un moyen, Bapé, si est un abattu. D'ailleurs, vraiment, il ne faut pas permettre certaines personnes que nous considérons comme des rigolos. Bah, ça, là, bah, théâtre, hein, parlons d'autre chose. Autant bah, Mouzito, là, les gens qui font partie des politiciens en voie de disparition.
Merci beaucoup, madame Boga Titi. Tout le monde a Italie, ma première 2023. Ils ont eu malembe. Nous sommes apparemment à dernier virage à ma première. Tout le monde a eu un bon cas. Kalima, vous avez présent à Seni, à ce que vous lancez un message n'est qu'à Sir Bayimbo, qu'il y aura les élections en 2023. Bonne bonne, c'est qu'à dans mon solo déjà. Mais il l'a dit à l'Obini. Lui a fait cette déclaration. Les 12. Mais les 11, bah, il y a déjà bon. Parce que, il y a une transaction bancaire. Il faut écouter dans le compte, bah, vérifier, bah, il faut écouter dans le compte. Et l'argent est arrivé après. Bon, heureusement, aujourd'hui, il parle qu'il y a une élection. Au moment où il y a une élection. Vous défiez bon, on était. Parce que moi, il y a un peu de temps. Non, bah, défiez. Le gouvernement a disponibilisé les moyens et le gouvernement a débloqué l'argent. Hein, il faut bâtir. Heureusement, tu m'as dit quoi, Bissabino? Fayoulou a préparé ma élection. Non, 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 je ne m'attaque pas. Mais j'ai dit, hein? Je lui demande, non? Apparemment, il va y avoir un bazo distrairé. À l'époque, j'avais dit, Fayoulou, constitution n'abisse nulle part, on parle de la apparemment, résistance. Apparemment, tu vas perdre Fayoulou, hein? Oh, Fayoulou représente quoi? Mais je parle pas, j'ai pitié de lui. Non, d'être que je vais venir sur le comme tu as 5 fois, 10 fois. Regarde comment il s'est fait dribbler par les FCC. Bah, FCC, il va y avoir que Fayoulou a un bazo tournaillé. Vous comprenez? Bango, ce sont les leaders, en tout cas, non seulement en perte de vitesse, mais en voie de disparition. Dans le bibis, c'est dans l'art, mais crédibilité est athée. Yaya, Benamo, Maxolo, Mouke, tout Timba, tout Fandas, tout développé. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? À côté, Bango peut m'habiller tout ça en résistance, mais en attendant, l'Assemblée nationale va s'engager sa candidature. Mais j'avais dit que Fayoulou, c'est le meilleur perdant. A-t-il la résistance FCC, PC, Batou. Les trois postes qui sont restés, FCC, Ndebazako, va récupérer à vous. Et aujourd'hui, ils ont continué la résistance. La FCC, Kabino, va demander que l'on dialogue. Dialogue est comme un ennemi. Si on va l'oublier, tout seul, rien que pour l'organisation des élections. Kadima, ils vous ont raconté si. Quand je vous dis que Fayoulou est le meilleur chanteur et le meilleur danseur, a bêté la vie de Zembo. Il y a des gens qui disent Kadima, Salaté. Tu vois, comme oh, 2023, et les KT. Tu vois, des incapables. Ah, Kadima, nous avons l'élection comme ça. Si vous avez vu ce que vous avez dit, nous les attendons. Mais, je demande à mon vieux Fayoulou, viens, préparez bon, si vous voulez les KT députés, ça va. Ils ont mon Katumbité. Katumbi ne représente rien. Ils ont mon qui va sondage. Plein à plein. Les lots, ils ont mon qui va sondage. Ils ont mon qui va sondage. Ils ont Moïse Katumbi. Ils ont Mouzitu. Ils ont Fayoulou. Ils ont mon qui va sondage. 40%. Alors, ils ont souci. 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 Ok. N'est-ce pas expliqué, Bango? Merci beaucoup, Mambo Katiti. Oui. Et puis, quand il m'a lobby, crédibilité, bureau par bureau, tu as affiché. Si vous voyez que la vie, va y vérité des urines, comme on nous a chanté ici. Mais nous, on va vraiment les souder. Merci beaucoup, Mambo Katiti. Tu as souhaité que la vie, tu as souhaité que la vie, oui, je ne pense pas, je ne pense que l'ambassadeur va essayer de s'engager. Presque l'ambassadeur est belé. Ah oui, merci beaucoup, Nakanisi. Tous les ambassadeurs, bah, corps diplomatique, y compris donc, bah, conseil d'ambassade et tant d'autres, tous, il y a un Congolais, le président a demandé, ils ont été rappelés ici. Pourquoi? Bit. Bit, voilà, c'est ce que je vais expliquer. Chef, la chef a la vision pour son pays. Il y a beaucoup qui ont travaillé avec une petite vision. Mais je suppose Fatih Lokolae, vision à Ezaïba. Hein? Un Congo grand avec un président grand. Mais à son temps, on nous avait dit un petit président dans un grand pays. Mais ici, nous avons un grand président dans un grand pays qui voit des choses grandement, qui a une vision pour ce pays. Alors, il y a Pessi Bangoua directive, il y a eu des travaux, conférences, je ne sais pas si c'est là qu'il y a eu, ou qu'il y a eu. C'est pour des nouvelles orientations. Voilà, moi je fais ça. Et à Boy Makamboaba influence, parce que l'ambassadeur Moussoua Zalaki, oh, moi je suis ambassadeur, je suis le frère de je suis tel. D'où est Kenyana, mon beau frère, hein?
Oui, c'est un diplomate. Et il a fait très longtemps. Beau frère. Même Joseph l'a trouvé là-bas. Donc, il a de l'expérience. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé comme ça. Comme... Kabila était habitué de nous amener. Kabila nous a amené. Oui, c'est un beau frère. Oui, oui. Il est là. D'ailleurs, il a abandonné pour participer dans les travaux. Joseph Kabila l'a trouvé là-bas, à la présidence. Ce n'est pas par lui qu'il est arrivé là-bas. Donc, il l'a trouvé. Donc, à mon ambassadeur, à Nengue Nandengue, à mon chef d'État, à Nengue Nandengue, à Ebi Banje, à Nengue Nandengue. Donc, c'est quelqu'un qui a, d'une part, je pense, ça c'est mon point de vue, chef de l'État, moi, il va te révéler, il va vous critiquer. Hein. Oh, bah, diaspora, oh, bah, si beau, il va ça que Nicolas a dit. Alors, il dit, bon, mon frère, vu l'expérience, et mon beau frère, alors, vous, qui se sont, ou bien qui s'étaient mal comportés, Awa, et Bélé vont faire quoi? Comme je vous disais, le pouvoir, c'est comme un train. Ma gare, n'a eu ce que Koki, au Tikaliwa. Mais malheur, il y a Awa, s'est comporté, ma bé. Est-ce qu'on quitte la gare? Est-ce que en 2023, vous avez encore les sous? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous disons, le chef de l'État a une vision pour ce pays. Il se bat nuit et jour. Et c'est le seul chef d'État au monde où il y a fait un ndakou très simple et net. Tant que nous sommes ministre de Bélé Valéki. C'est pour vous dire que, aligné, non. J'ai suivi un monsieur, c'est à celui que je voulais répondre, à l'objet. J'ai dit voilà, on a bande d'undoawa, au matin avion, tant que visa et ambata, ok, na poto. Le président Fatih est né, son papa était ministre. Je voulais te dire ça. Et puis cette voiture-là, oh, attends, il y a un tricycle, ça coûte 37 000 $. Donc, faut Fatih, même les voyages, ce n'est pas un luxe. Or, c'est pour faire que le Congo, parce qu'il l'avait dit, aussi longtemps. Pendant mon mandat, on parlera du Congo partout dans le monde. Merci beaucoup, Mboka Tchichi. Tu sais que mon dossier Ukraine, la communauté congolaise au Azakuna, parce que vous avez interpellé l'ambassadeur congolais au Mboka Ukraine, qui a bandé un mécanisme qui a aidé. Nouvellement nommé, il y a un ambassadeur, mais tous sont ici à Kinshasa. Mais c'est le gouvernement qui doit prendre des dispositions sur par exemple, les communautés congolaises, il y a des dispositions qui vont être prises, du moins pour ceux qui voudront rentrer ou aller ailleurs. Mais apparemment, l'ambassadeur Nelson Sauvage est un ambassadeur à Pologne et ministère. C'est un ambassadeur à Pologne qui va bander, il y a un congolais qui va venir aux Anambouk à Pologne. C'est ce que je dis. Dans le but, du moins pour l'ambassadeur, parce qu'il y a d'autres peut-être qui veulent rentrer. Parce que moi, je crains Bango Moko. Il y a ceux qui sont à travers le monde. Alors, dans ces cas, ceux qui poutine à l'ingabo mabiso, abo mabiso yons. Mais il y a des Congolais, peut-être par crainte ou je ne sais pas quoi, au balingi babima. Il y a des dispositions qui sont prises dans ce sens à travers le ministère des Affaires étrangères pour voir comment Bao Bakoki peut évacuer Bango et puis comment qu'il y a dans le pays, il y a la choix dans Bango, s'ils voudront rentrer au Congo. Et puis, eh bien, ils seront les bienvenus. Merci beaucoup, Namboka. Message Nasuka, il va être le partenaire mon entier. Ouais, message à Nasuka, il va vous remercier. Je vous remercie sur la vidéo sur Congo Live. Et après, il va être préparatif. IDPS, nous sommes la machine politique. On va être gagnant qui m'a quitté, les maquillés là. Oh, désordre. Même pas deux mois, on avait 32 candidats pour Nakasa et tout comme il est là, non? Sur les 32. C'est fou de vous dire que. IDPS, Nefsarabino, on a eu pas mal de situations, aussi Tomessana. Et c'est ça la démocratie dans notre parti. Et nous nous préparons pour les élections, non seulement, premièrement, pour faire passer les chefs de l'État avec beaucoup de voix, mais pour faire en sorte que l'IDPS, nous avons beaucoup de députés nationaux et de députés provinciaux qui feront en sorte que tous à la peine, un sénateur rebellé. Pourquoi pas qu'on a la main bah gouverneur, qu'on a la peine à moi bah maire de la ville, bah bourgmestre et tant d'autres. Donc nous nous préparons pour cela. Nous avons président, il y a vice-président, il y a cellule, il y a Batete là, il y a Gombe, il y a IDPS, bah tu vas pouvoir coller qu'on joindre Ngaï, numéro Ngaï Zali 085 144 71 88. Je vais appeler encore. 085 144 71 88. Ceux qui nous en bas sont dit prochainement,
bakobenga biso toko mekako échanger sur ce moment mais oui oui parler sur la situation de l'air et nous sommes disposés. Merci, merci beaucoup mon Boratichi. Merci beaucoup. Thank you.